Bonjour. J'inviterai tout le monde à prendre une place, s'il vous plaît. On est prêt à commencer. Je pourrais aussi dire, tous ceux qui sont de bonne humeur, donnez-moi un gros hey-ho! Bon, on va l'avoir. Merci. Merci de votre attention. Mon nom est Robert Loisel, député de Saint-Boniface. C'est un grand plaisir de vous accueillir ici aujourd'hui au nom du gouvernement du Manitoba et du premier ministre, le très honorable Wiebe Kenu, en cette journée de la francophonie manitobaine, canadienne et internationale. Alors, bravo pour être ici. Ça fait chaud au cœur. J'ai demandé à quelqu'un ce matin quel bon vent vous amène. Ils m'ont dit un vent du nord, même si c'est la première journée du printemps. Alors, on est ici rassemblés aujourd'hui pour célébrer notre francophonie, notre culture, notre Manitoba. Et ça fait chaud au cœur de voir tellement d'acteurs communautaires. Honnêtement, je ne sais pas, c'est quand la dernière fois qu'on a invité la francophonie ici au Palais législatif, mais j'aimerais vous inviter à vous donner un grand applaudissement pour être là aujourd'hui. Alors, bravo, bravo pour être ici. Alors, sans plus tarder, j'aimerais inviter un grand ami de la francophonie, un petit gars de Saint-Lazare, mais qui est aujourd'hui l'honorable Glen, ministre du sport, de la culture, du patrimoine et du tourisme, ministre responsable des affaires francophones et ministre responsable de la société manitobaine des alcools et des loteries. Monsieur Simard. Merci, député Loisel, pour avoir m'invité pour parler, mais aussi m'appeler un petit gars. On sait que c'est pas vrai. Député de Brandon East, j'ai fait ma carrière professionnelle pour enseigner la langue française à des jeunes petits pour 27 ans. 27 ans en immersion. Pour avoir rappelé les jeunes pour parler en français. Pas français, pas français. Puis quand tu fais ça tous les jours, tu comprends la nécessité de cette communauté pour avoir battu pour des années, des décennies pour la langue française, pour épanouir au Manitoba. Et juste ce matin, j'étais à la radio, je parlais que le Manitoba, c'est un exemple pour le reste du pays, on pourrait dire le pays anglophone, où la langue minoritaire devrait prendre importance. Ici au Manitoba, je pense qu'on est, je suis très fier de faire partie d'un caucus néo-démocrate qui compte presque 10 députés qui parlent le français. Ainsi, un premier ministre qui ne doit pas mettre les écouteurs quand il va à Ottawa, tandis que les autres doivent le faire. Et dernièrement, on a fait beaucoup de très bonnes décisions pour les franco-manitobains et la francophonie au Manitoba, surtout avec notre ministre d'Éducation, Nadal Tamari, qui aussi parle très bien le français et l'italien, pour avoir réinstitué le ADM à la BEF. Très, très fier que nous avons remis l'importance du français dans notre système d'éducation. Alors, j'aimerais remercier le ministre Altamare pour avoir pris cette décision. Et aussi signaler à tous mes... à tous mes enseignants et enseignantes partout au Manitoba qui font le beau travail dans la DSFM et dans nos écoles d'immersion, et aussi nos profs qui enseignent le français de base. Parce que notre mandat, c'est aussi de rendre cette province véritablement bilingue. Mais pour faire ça, on a besoin des jeunes, on a besoin des immigrants qui vont apprendre et utiliser le français. Et que l'insécurité linguistique que les jeunes vivent avec à l'âge de 13-14 ans, qu'en utilisant la langue, ça va enrichir cette province. Et vraiment, c'est eux
qui auront la chance de vraiment servir les personnes. Parce que notre gouvernement va, et on va l'entendre aujourd'hui avec les ministres de justice et des affaires municipaux, vont annoncer les choses qu'on va faire pour améliorer les services en français dans cette province. Mais c'est une très belle journée. Je vais lire ma proclamation là. Mon jeune fils, mon fils est venu. J'ai fait la tournée du palais avec lui, puis on l'a introduit à beaucoup de personnes, puis on dit ah mais moi je fais ci, moi je fais ça, moi je fais ça. Puis il m'a tourné hey dad, is all you do sign stuff? Mais très fier d'avoir la chance de signer cette proclamation. Et je vais montrer mon âge, là je dois mettre mes lunettes de lecture. Alors, proclamation, Journée internationale de la francophonie 2024. Attendu que le Manitoba abrite une communauté francophone dynamique et vibrante depuis le 18e siècle. Attendu que le gouvernement du Manitoba veut reconnaître le rôle clé qu'ont joué les francophones dans la fondation et le développement du Manitoba, ainsi que leur contribution continue. Attendu que le gouvernement du Manitoba reconnaisse son engagement à faire du Manitoba une province véritablement bilingue, afin de protéger et de promouvoir la riche histoire et l'identité de la communauté francophone. Attendu que le gouvernement du Manitoba continue de reconnaître la ténacité de la communauté francophone et de son rôle moteur dans la diversité économique et culturelle de la province. Attendu que le gouvernement du Manitoba continue d'appuyer le progrès et la vitalité de la communauté francophone du Manitoba, telle que le mandaté par la loi sur l'appui de l'épanouissement de la francophonie manitobaine. Attendu que le gouvernement du Manitoba célèbre les francophones, les métis francophones et les nouveaux arrivants qui choisissent de vivre et de travailler en français partout dans notre province. Attendu que la communauté francophone partout dans le monde célèbre leur culture et leur langue le 20 mars chaque année. Nous, Glen, Simard, ministre responsable des Affaires francophones, proclamons par la présente que le 20 mars 2024 est la Journée internationale de la francophonie au Manitoba et invitons tous les Manitobains et toutes les Manitobaines à observer scrupuleusement. Et je vais passer le micro à je vais lui nommer mon sous-ministre pour les affaires francophones, le député Loisel qui travaille fort pour les francophones au Manitoba. Je le sais que le ministre Simard, c'est pas un petit gars de Saint-Lazare, c'est un grand gars. Ses parents sont ici aujourd'hui, alors on applaudit monsieur et madame Simard. Et puis mon père est ici aussi, Lucien Loisel. Alors pour nous, on est encore vos enfants, mais on est la relève. Alors moi aussi, j'ai des lunettes spéciales de supervision. Alors à ce point-ci, j'aimerais inviter un autre ministre pour vous adresser la parole, l'honorable Matt Wiebe, ministre de la Justice et procureur général. Ministre responsable de la Société d'assurance publique du Manitoba, on l'applaudit. Ministre Wiebe. Well, good afternoon, everyone. What an amazing celebration. What a great opportunity to have so many fantastic folks join us here in the Legislative Assembly in your building. And it's a real honor and a real privilege to be here with my colleagues and my friend, Rob Loisel,
to celebrate the International Day of the Francophonie. As Attorney General, I know just how important it is to have good access to justice. And we know how important it is, but we also know how in how many areas it's been lacking over the last number of years. And that's why I'm very pleased to be here today as the Attorney General to announce a host of improvements to Manitoba's justice system. Our government recognizes the foundational role of the Francophone community to our province, and we're committed to protecting your rights and improving access to justice for services specifically in French. As part of the suite of announcements here today, we will be creating a new bilingual service hub at the St. Boniface Courthouse to help meet the needs of families and survivors of intimate partner violence and family violence. The Court of King's Bench is also working to create a roster of bilingual justices and will enhance the availability of French language services in small claims court. To ensure that we have French speakers in the justice system, the provincial court is expanding the French language training and support for our provincial judges. And finally, a new French working group with bilingual judges and judicial justices of the peace will be created to ensure matters across the province requiring French language services are dealt with quickly. Our government has been working closely with the AGAFM to bring forward these measures so that French-speaking Manitobans can have better access to the justice system. I'm very excited by these developments. I know that with input from my colleagues in the House, we will continue to expand and enhance services, and it's always a great opportunity to address the people of Manitoba here in the People's Building, especially on such an exciting day such as the International Day of the Francophonie. So thank you very much for your time. Alors maintenant, j'aimerais inviter un autre grand ami de la francophonie. Quelqu'un avec qui j'ai le plaisir de travailler avec, le ministre Bushie. L'honorable ministre Bushie est ministre des Relations avec les municipalités et le Nord et ministre responsable de l'essor économique et des peuples autochtones. Ministre Bushie. Merci, Robert. It's an honor to be able to stand here today. It's such a In the People's Building, as my colleague Minister Wiebe had mentioned, the People's Building for the people. So it's great to be able to stand up here as Minister of Municipal and Northern Relations and Indigenous Economic Development to be able to share some news with the people in the People's Building. Ladies and gentlemen, distinguished colleagues, members of Manitoba's Francophonie community, bonjour and welcome to today's event. My name is Ian Bushie and I'm the Minister of Municipal and Northern Relations and Indigenous Economic Development. I am pleased to stand before you and announce the Government of Manitoba endorses the Association of Manitoba Bilingual Municipalities Municipal Maturity Model, or 3M model, which includes amending Municipal French Language Service bylaws for AM/BM communities and municipalities. Through the establishment of targeted municipal bylaws, this initiative will support the provision of municipal services in both official languages in Manitoba's bilingual municipalities. To further support Manitoba's Francophonie community, we are also proud to invest $80,000 in the AMBM to support the implementation of the new 3M approach in Manitoba's bilingual municipalities. The 3M model will assist AMBM member municipalities to update their French language bylaws and assess their level of maturity on issues such as French language service delivery and communications with the public, governance, leadership, and strategic direction, and human resources. This initiative will ensure that minimum French language service requirements are met in participating bilingual municipalities through the delivery of an annual report to the AMBM, outlining targets and progress in the areas of assessment.
We are a strong, diverse, and multifaceted province, made up of many different partners, languages, cultures, and communities. This government is committed to renewing the building partnerships with municipalities, Indigenous nations, and stakeholders that are founded on respect and equality. This investment will provide our bilingual municipal partners and the Association of Manitoba Bilingual Municipalities with the tools that they need to deliver bilingual services to French-speaking Manitobans in their communities. These efforts will undoubtedly ensure the flourishing of Manitoba's unique and vibrant Francophonie culture well into the future. Miigwech, thank you, merci. Merci, ministre Bushie. Alors, maintenant, pour entendre parler directement de l'AMBM, l'Association des municipalités bilingues du Manitoba, j'invite le président de l'AMBM, M. Yvan Normandeau, au micro. M. Normandeau. Bienvenue à votre palais. Merci. Monsieur le ministre Bushie, M. le ministre Simard et M. le ministre Wiebe, Madame la présidente Cassie, collègues élus des municipalités bilingues du Manitoba. Au nom des municipalités bilingues du Manitoba, je tiens à remercier le ministre des Relations avec les municipalités du Nord, M. Ian Bushie, qui vient de donner le feu vert pour valider notre nouveau cadre réglementaire municipal que nous appelons « Modèle de maturité municipale », le 3M. Ceci en plus de nous offrir une première tranche de financement pour amorcer sa mise en œuvre. Ministre Bushie, you've just made history in Manitoba with a very significant gesture towards Manitoba bilingual municipalities, with long-term benefits for the vitality of our Francophone community across the province. On behalf of the Manitoba bilingual municipality leadership, we sincerely thank you for approving the 3M model. This is a perfect illustration of the strength of the municipal-provincial partnership. I have to say the entire team at the Department of Municipal and Northern Relations has been working with the AMBM and its members for nearly 4 years to achieve this goal. This is my sincere appreciation. Je remercie également nos précieux partenaires de la Société francophone manitobaine. La SFM appuie l'AMBM et ses membres depuis tous les débuts auprès de la province dans ce projet de société. La SFM est certainement notre allié numéro un dans le développement du partenariat municipal communautaire. And finally, I would like to acknowledge the outstanding commitment to our member municipalities to official languages and their Francophone and bilingual communities. Many of you here know me as president of an IMBM, but I'm first and foremost an elected municipal official. As Reeve of the RM Laboratory, I'm happy to see that the efforts invested over the past 4 years are now bearing fruit. Nos municipalités sont l'ordre de gouvernement les plus près de la francophonie. Elles sont engagées depuis près de 40 ans envers le développement, la prospérité et la vitalité de nos collectivités. Today's announcement marks the beginning of a new era for IMBM and its members. The concerted renewal of our members' commitment to our Francophone and bilingual communities will create a new momentum for the delivery of municipal services in both official languages in Manitoba. Le 3M, c'est une première au Canada. En adoptant le 3M, les municipalités bilingues du Manitoba vont pouvoir évaluer leur capacité, se donner des cibles concrètes et ensuite mesurer leur progrès et leurs investissements envers les langues officielles. In recent years, it has been estimated that our rural bilingual municipalities invest over $1 million a year in the provisions of municipal services in both official languages. With the 3M, it will now be possible to measure their investment and progress year after year. We're taking here three types of investment: service delivery and public communications, governance, leadership and strategic direction, and people management. En s'appuyant sur le 3M, nos municipalités bilingues pourront offrir une meilleure qualité de vie aux résidents et aux nouveaux arrivants francophones et bilingues. Elle deviendra encore plus attrayante et accueillante pour un nombre croissant de familles qui s'établiront. Ultimately, the 3M completes the continuum public government services in both official languages in Manitoba. The AMBM intends to play a key role in guiding and equipping our municipalities to support their commitment.
When bilingual municipalities have the tools they need for their Francophone and bilingual municipalities, all of Manitoba honors its bilingual character. Merci de votre attention et bonne journée internationale de la Francophonie. Merci. Alors évidemment, puisque c'est la journée de la francophonie manitobaine, on a notre beau drapeau franco-manitobain ici. Et on a aussi la présidente de la Société de la francophonie manitobaine, Mme Angela Cassie. Alors, je vous invite au micro. Cher Monsieur le ministre Glen, Simard, ministre Wiebe, ministre Bushie, et merci, et Monsieur le député Robert Loisel. Il y a beaucoup de ministres ici parmi nous. Chers amis, bon matin à tous et à toutes. Mais presque rendu après-midi, hein? OK, bien, ça va. On behalf of the Société de la Francophonie Manitobaine, I'm pleased to be here today to mark this concrete actions being taken by the provincial government, but also to celebrate an important symbolic moment, the raising of the Franco-Manitoban flag in Manitoba's legislature. It is also our building. Ça nous appartient aussi, tous et toutes. Les levées de drapeaux de ce mois-ci s'inscrivent dans le cadre des rendez-vous de la francophonie. Et c'est l'un des nombreux événements qui se déroulent à travers le pays pour célébrer la Journée internationale de la francophonie qui a eu lieu aujourd'hui, le 20 mars. La SFM est fière d'être coordonnatrice provinciale des rendez-vous de la francophonie et je salue l'équipe qui se joint à nous aujourd'hui. Et c'est une célébration de la richesse et de la diversité linguistique, artistique, culturelle qui caractérise notre francophonie. It's always a proud moment to see our flag proudly displayed as it is today. It's also an opportunity to reaffirm the importance of our language, our culture, which has profoundly marked and contributed to both the history and identity of the province of Manitoba, and will contribute to its bright, prosperous, and just future. À cette occasion, j'aimerais remercier le Premier ministre Wab Kenou et la province du Manitoba d'avoir officiellement reconnu Louis Riel comme le premier ministre de la province du Manitoba. Son engagement en faveur des droits linguistiques et culturels des francophones a été déterminant à la création de cette province où la communauté francophone et métisse joue encore aujourd'hui un rôle essentiel. En levant ce drapeau, nous affirmons notre identité et nous honorons cette langue qui nous rassemble. Au cœur de notre communauté se retrouve un mélange vibrant de cultures, d'accents, de parcours et de perspectives. It's in this diversity of accents, of thinking, of cultures, of lived experiences that our collective strength lies, nurturing our resilience and bringing a breath of fresh air to our community. And I just want to acknowledge the choir that did such a fantastic job today. And for those, yeah, let's. And for those who are not familiar with that song, Jour de Plaine, I think for me, it's a song that I think you were, like, it was a mandatory song that you sang in choir growing up. But today, the line that really jumped out to me was talking about how, you know, I grew up in these prairies. Et on entend parler nos grands-pères. J'ajouterais aussi nos grands-mères. And I stand here today listening to the voices of my grandmother and my grandfather who came to this country as Francophone immigrants. And I think of them today who helped me have a different future and grow on these lands. So, alors, merci beaucoup à la chorale pour amener ce souvenir. Bravo. Uh,
That is why also the SFM is proud to be one of the sponsors of the podcast Quand les portes s'ouvrent by La Liberté, which tells the story of newcomers to Manitoba and the people who have opened their doors to them in one way or another, transforming their integration in their community. Alors, si vous êtes membre de la communauté francophone, vous avez déjà reçu ça dans La Liberté aujourd'hui. So if you're a subscriber of La Liberté, you would have already received print copy of the book, but thanks to La Liberté, there are 100 copies here today. They'll be available at the back of the room when you're leaving. So hold back if you got it in the mail already this morning, but if you haven't received a copy, please, on vous invite d'en prendre une copie. Nous avons 100. Ce balado et ce lever de drapeau aujourd'hui sont un rappel de l'importance de travailler ensemble pour faire avancer la diversité et la cause francophone. En fin de compte, la réussite de notre communauté dépend sur notre capacité de travailler en partenariat avec nos partenaires communautaires et avec les représentants politiques. The investments announced today by the province will improve French language services, and this demonstrates its commitment to working together and to strengthening the vitality of Francophones across the province. I would like to take this opportunity to express our gratitude for its invaluable collaboration with l'Association des juristes d'expression française du Manitoba to ensure access to justice in French. L'accès aux services juridiques en français est essentiel pour faire du Manitoba une province véritablement bilingue. We are also grateful, and we heard already, for the province's commitment to adopt and provide funding for the AMBM's bilingual municipality maturity model. This model is a crucial step in ensuring accessibility of all public services in both official languages in Manitoba, and is a tool that promises to open up new opportunities for our communities. Les municipalités bilingues sont d'ailleurs engagées elles-mêmes dans le processus d'amélioration de l'offre de services en français dans leurs municipalités respectives. Je tiens d'ailleurs aussi à remercier Yvan Normando, président de l'AMBM, et ses collègues des municipalités bilingues. Merci beaucoup, Yvan. La francophonie est l'âme vivante du Manitoba. Que nous soyons des décideurs politiques ou de membres de la communauté, notre engagement collectif en faveur de la francophonie ne doit jamais faiblir, car c'est en la renforçant que nous nous renforçons l'essence même de notre identité manitobaine. I would like to thank again Minister Simard and Monsieur Loisel for hosting this event today. It is fantastic to see so many people here. Let's make it a habit moving forward. And thank you for sharing your francophone pride with us. Merci de votre présence et votre engagement pour notre langue et notre culture. Merci. Longue vie à la francophonie. Alors encore une fois, merci de votre présence dans votre palais. Nous sommes votre gouvernement. Au nom du premier ministre Wiebe et de toute notre équipe, comme vous savez, il y a eu une élection récemment. On a fait des promesses. Maintenant, on s'est retroussé les manches, on s'est mis au travail. Et aujourd'hui, on a commencé à livrer la marchandise. Alors, merci Madame la Présidente. Merci mes amis. Et j'aimerais juste vous laisser savoir que les médias sont présents. Alors, pour les ministres et les acteurs communautaires qui aimeraient parler aux médias, les médias sont là pour faire rayonner ce beau message, notre francophonie. Et encore une fois, merci et vive la francophonie manitobaine. Et tous ceux qui sont de bonne humeur, donnez-moi un gros hey-ho! Merci.